Bonjour les cynophiles actifs, ici Micheline Leclerc, propriétaire de Beaupoil, et aujourd'hui, bien, je vous présente ma petite Daisy. Comme vous voyez, Daisy n'est pas très solide sur ses pattes parce que hier, en fait, ses pattes arrière ne suivaient plus ses pattes avant, donc je suis allée tout de suite chez le vétérinaire pour voir qu'est-ce qui se passait. Et puis la vétérinaire a diagnostiqué en fait probablement une hernie discale ou un cancer qui comprime sa moelle épinière. Donc c'est pour ça que ses pattes arrière ne fonctionnent plus ou moins bien. Puis je voulais vous la montrer parce que bien, si votre chien à un moment donné a les mêmes symptômes, bien, vous allez avoir une petite idée de qu'est-ce qui peut se passer. Donc, ben, c'est sûr que là, elle est sous médication. Ça va beaucoup mieux qu'hier. Hier, c'était un petit peu plus difficile. Vous l'avez vu embarquer sur son coussin. C'était pas facile. Elle a le droit de marcher, mais elle ne peut pas sauter. Elle ne peut pas descendre ou monter les marches. Donc, elle est au repos. Alors, je vais essayer de la faire venir. Vous allez peut-être voir un petit peu plus là. Vous allez constater aussi son dos est plus rond parce que elle a mal au dos encore un peu. Donc, vous allez pouvoir tout voir ça. Je vais essayer de la faire venir. Ici, viens. Comme vous voyez, elle n'est pas très solide. Mais quand même, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'hier. Si vous voyez sa patte arrière gauche, elle n'est pas solide. Qu'est-ce qu'on fait pour ses petits besoins? Oups, voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour ses petits besoins? Eh bien, on prend un foulard. On place le foulard sous son ventre et on soutient ses pattes arrière. Donc, c'est beaucoup plus facile pour elle d'aller faire ses petits besoins. Donc voilà, eh bien, c'était juste pour vous informer. Là, si vous avez la même chose, votre chien a la même chose que mon chien, bien, vous allez pouvoir savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Et puis, si vous connaissez quelqu'un qui a le même problème avec son chien, bien, partagez cette vidéo. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors, je vous souhaite bonne soirée à tout le monde. Et puis, pour mes amis les chiens, bien, ouf, ouf. Bye bye tout le monde.